La fierté, l'émotion et la dignité de Simone Veil, qui est entrée aujourd'hui à l'Académie française. À 82 ans, elle devient ainsi la 6e femme à rejoindre le cercle très fermé des immortels. Dans son hommage, Jean d'Ormesson a rappelé le parcours de cette femme d'engagement qui a marqué le 20e siècle par son action politique et féministe. Jean-Paul Gerroir. Des roulements de tambour, des habits verts et brodés, des épées et des discours. Depuis 1635, c'est comme ça sous la coupole, quand on accueille un nouveau, salué le plus souvent pour son œuvre littéraire. Aujourd'hui, c'est un destin et la façon d'y faire face que l'on a salué. Simone Veil elle-même ne s'y trompe pas. N'ayant moi-même aucune prétention littéraire, tout en considérant que la langue française demeure le pilier majeur de notre identité, je demeure surprise et émerveillée que vous m'ayez conviée à partager votre combat. Face au président et à deux de ses prédécesseurs, face à une audience nettement plus émue qu'à l'accoutumée, c'est à Jean d'Ormesson qu'est revenu le discours d'hommage et d'accueil. Je pense avec émotion à tous ceux et à toutes celles qui ont connu l'horreur des camps de concentration et d'extermination. Leur souvenir à tous entre ici avec vous. Vous avez dominé ce malheur avec une fermeté d'âme exemplaire. Ce que vous êtes d'abord, c'est courageuse. Et les Français aiment le courage. Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, Madame. Déclaration d'amour et ovation, l'unanimité des immortels s'est poursuivie jusqu'à la sortie. Elle va apporter de la hauteur, de l'expérience, du rappel de principes, de l'indépendance, ce qui est nécessaire de temps en temps. Simone Veil n'est que la 6e femme académicienne. Dans cette enceinte aussi, elle aura à cœur d'élargir la brèche.